environ une trentaine de recueils, dont 11 rééditions de recueils. Il y a 3 pièces de théâtre qui ont été montées à partir de ces recueils de poésie. Un gars de Timmins, il est né en 48. À l'âge de 4 ans, il perd son père. Mère monoparentale, à Timmins, un frère qu'il décrit dans ses recueils comme étant alcoolique, épileptique et puis parfois assez violent. Une sœur qui a un caniche épileptique, qui écoute du Hank Williams puis qui prend des Valium à poignée. Delirium à Timmins. La ville de Timmins est fermée pour cause de fin du monde. Je marchais dans le downtown de Timmins. Timmins. Je clignote comme un curseur sur une page vide. Un glissement de terrain ensevelit tous les autobus de la ville. Tout est sépia, tout est sapin, tout est vert. J'entends des sons. J'entends des noms de loin comme si j'étais scellé dans une enveloppe blanche sans adresse de retour. Ça fait mal quand je respire. Donc, à l'âge de 20 ans, Patrice quitte Timmins. Il part sur le pouce pour se rendre à Toronto. Un premier couch surfer franco-ontarien. À peine arrivé, il se met à publier ses premiers, tout premiers poèmes en anglais, qui signe Patrick Desbiens. Il est batteur pour un groupe punk qui s'appelle The Government. Premier batteur. Patrice, c'est un batteur, c'est un musicien émérite et c'est un grand percussionniste. Puis vous savez qu'il y a pas mal de ses chansons qui ont été endisquées par Desjardins, Claude Sainte-Marie et j'en passe et j'en passe. Sous la neige, nous sommes comme sur une page blanche qui attend un poème. Ça fait du bruit quand on respire. Sous la neige, nous sommes comme une page blanche qui attend un poème, ça fait du coup. Je rêve au poème. Je rêve au poème qui rêve à moi. Et quand je me réveille, le lit est vide et encore chaud. Je rêve au poème qui rêve à moi. Ou moi au poème qui rêve. Qu'est-ce qui rêve? Est-ce que c'est moi, c'est le poème? Et quand je me réveille, le lit est vide et encore chaud. Chaud le poème qui rêve à moi. Moi et le poème, on rêve. Grâce à moi. Je cherchais la grâce. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est une note sur la table de cuisine. Et la maison vide. J'ai immédiatement reconnu mon écriture. Donc, André, ton rapport à l'écriture de Patrice, tu as connu l'écriture d'abord, l'homme d'abord, comment? Ben, l'écriture d'abord. Mm-hmm. Moi, je trouve ça honteux de dire que j'étais à Timmins à l'école secondaire et que je ne connaissais pas Patrice Desbiens, mais pas du tout. Mm. Et là, je suis à une soirée de poésie qui fait un poème de Patrice Desbiens et je pleure. Je pleure, ça vient me chercher. On parle de chez nous. On ne parle plus du pomme Mirabeau puis du pomme. C'est chez nous, ça vient vraiment me chercher très loin. The only time I feel real is when I'm drunk. Demons and Morrison. Si je suis sûr, ils parlent des langues. Hurle de plus belle, la madame. C'est un anglais. Dis le bonhomme. Jésus, là, il parle toutes les langues. Elle insiste. Ouais. Si tu pouvais en parler une que tu comprends, mon petit folle. Pense sereinement le vieux bonhomme franco-ontarien en se grattant le rien et regardant le reptile en question dans son rétroviseur. Hey, fuck, man! Vous êtes plate. Y a-t-il une place où que je peux mourir en paix? C'est d'une profondeur ce qu'il écrit, avec des images du quotidien, de la banalité. Il y a quelque chose qui est extrêmement profond. Moi, j'aimais dire que c'est la Violaine franco-ontarienne. Franco-ontarienne, Violaine, c'est dans Claudel. Elle embrasse un lépreux et prend le mal en elle. C'est Patrice. Il incarne le mal franco-ontarien. Amené dans la fissure, il dit « Je suis le bossu de la rue Ontario. » Donc, cette idée de déformer, de torturer
et de rendre la souffrance drôle et noble. C'est un étrange qui dérange ce ciel d'automne en plein printemps, qui détonne et résonne dans les toxines toxiques des cloches d'église devant le Renaud-Brie de la rue Saint-Denis. Un homme pompe l'accordéon troué de ses poumons et on met de l'argent dans les parcomètres de chaque côté de lui. Il fait un temps de Tylenol sur la ville et ça pue le swing de drum machine dans les bars et dans les chars et ça craque dans mon ventre. Je suis une chaloupe de chair qui est attachée à l'eau, à l'air et à la terre. C'est que la vague à l'homme peut vite devenir tsunami. Il part pour Sudbury. Je pense que son grand ami, Robert Dixon, il a été pour quelque chose. Et puis, on connaît ensuite les recueils de la période sudburoise, L'homme invisible, Sudbury, Dans l'après-midi cardiaque, Les cascadeurs de l'amour, et puis Poème anglais. En avril 88, on invite Patrice au Salon du Livre de Québec et puis il ne reviendra jamais à Sudbury. Il reste à Québec pendant un certain temps, continue pendant ces années-là à publier à prise de parole, déménage de Québec après quelques années et en 91, on le retrouve à Montréal où il est depuis. Le ciel craque comme une vieille peinture du 21e siècle. Un peuple cherche son sang dans la neige. Je cherche mon sang dans le peuple sous la neige. Je cherche mon peuple dans le sang d'un moment sous la neige, sous la peau de la peinture du dernier locataire. Il n'a pas laissé de nouvelle adresse. Il n'a pas laissé de nouvelle adresse.